sur moi, par exemple. On dirait que je suis genre. Ben, ça va, ta face! Cache-toi, je vais faire un effet de surprise. Ok, parce que j'ai hâte. Salut tout le monde! J'ai un invité surprise aujourd'hui. Attention, elle est prête. Suspense. Ok, monte-toi. C'est Rox! C'est mon point quoi avec ça, my god! Mais c'était malade! Ok, c'est ça! L'effet en soi était malade. Ok, ouais. T'as trouvé? Ben, je suis. Franchement, j'ai tout donné. Pick-a-boo! C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va faire. Oh mon dieu, je m'en attendais tellement pas! Bon, mais aujourd'hui, on parle de nos premières fois, gang. Fait que j'espère que vous êtes prêts parce que. Nous, non! Ouais, non, je suis pas prête. Il y a bien des affaires que je suis comme. Ah! Je vais-tu vraiment dire ça, tu sais? Sérieux? T'as-tu des histoires croustillantes, toi? J'ai des trucs qui se croustillent, ouais. Première question. La première fois qu'on a bu, ça ressemblait à quoi, mettons? Ben, commence-toi. La première fois que j'ai bu, c'était sur la tequila bang bang. Mm. Tu sais, c'est quoi? Ben, ça doit être dégueulasse. C'est de la tequila, mais genre. Bang 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 bang. Fait que ça. C'est genre 4 fois pire que de la tequila. C'est vraiment fort, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que là, mon ex, il allait à cœur joueur, il me donnait des shots, puis moi, j'étais comme full naïve. C'est comme si moi, je veux fourrer. Sérieusement, je pense que oui. Puis j'étais jeune, là. J'avais genre. Je sais pas, mettons. Peut-être 12 ans. Oh my god! Ouais, j'étais vraiment jeune. J'étais genre 6e année, là. Ouais, ouais, c'est ça, là. J'étais même pas au secondaire. J'étais vraiment jeune. Fait que en tout cas, mon ex, il me donne des shots. Tu sais, moi, je suis full naïve. Mon ex, il me donne des shots. Elle est en 6e année. Elle est en 6e année. Là, quelle vie de dévergondée. Donne des shots! Un gros party! Moi, j'étais à la tequila bang 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 rien. Puis une demi-heure plus tard, j'ai passé la soirée dans les toilettes. À vomir. À vomir. Puis il y avait un petit gars dans le temps qui fait full sur moi, il était rouge, je me rappelle. Puis genre, il a passé sa soirée à me flatter le dos. Full creep dans les toilettes, mais genre, on s'est jamais parlé, là. Il était trop gêné de me parler. Puis il s'est pas rendu compte que c'était le move le plus friendzone au monde. Ouais, ouais, ouais. Là. Il a passé, je pense, il a dit 3 heures dans les toilettes à me flatter le dos, même. Moi, j'étais genre. Oh, tequila bang bang! Yes, ouais, ouais. Fait que c'était la pire brosse. Je pense que c'était la pire brosse de ma vie, puis c'était ma première. Moi c'est vraiment moins trash que toi. Moi, j'étais au secondaire. J'étais genre en secondaire 2. T'étais à Saint-Jean-Baptiste. Moi, je restais à Saint-Philippe, tu sais. Ok, non, pas en tout. Tu sais, ça arrive ça, c'est gâteau. C'est des parcs de maisons mobiles, genre. Ah, t'as fait dans une maison mobile? Oui. Ah, c'est vrai? Oui, t'as dit non. Oui! Il n'y avait pas de système de transport en commun. Fait que les gens qui habitaient dans le parc de maisons mobiles, c'était tes amis, c'est tout, tu sais. Fait que on était au parc là, dans le milieu des maisons mobiles, puis là, tout le monde buvait de la vieille Budweiser. Oh non! La Budweiser. Puis là, moi, j'étais comme, je vais être cool, je vais être comme tout le monde, fait je buvais de la Budweiser dans le parc. Non, mais puis je saoulais pas. Là. Ah oui? Je saoulais pas. Mais j'étais jamais saoul. Trop de saouler à la bière de base. Ben, fuck, man. Puis là, j'avais mal à l'estomac. Je me suis couchée le soir, faisant un crotté. Bah! Je te jure, ça a été rare les fois après où j'ai été tentée de boire, même aujourd'hui. L'alcool, ça me dégoûte. J'aime pas le goût, j'aime pas le monde sous. Ouais. Je suis déjà gossante à la base. Ah non, c'est ça, j'osais pas le dire. Imagine-toi, ça a été que le bang bang, Chris. Donnez-nous un break, si vous faites une gossante. La première fois que t'as fumé, donc. Fumé du pot? Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Ouais. T'es fou, hein, que ça soit rendu légal, ça, tu réalises-tu? Ouais, mais je m'en crisse. Mettons, j'aurais été contente dans le temps que j'en fumais. Mais moi, tout. C'est vrai. J'ai fumé pendant un moment de ma vie, mais là, je suis plus ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, pour moi, ça change rien. Tu sais, maintenant, j'écoute le monde sur comment moi, je me lève, je fume un batch, comme. Ouais, non, ça va. Bon, moi, tu fais pas que ta journée, ça scrape. Hey, ben non. Je devenais légume, là. Ben, moi, je fais rien, là. Oublie ça, là. J'avais juste dormi. Mais la première fois que j'ai fumé, j'avais peut-être 13-14 ans. Ok, fait que là, t'étais plus jeune, par exemple. Ouais. Je me souviens me rappeler, c'était Félix, il était grand Félix. Ma mère, elle pensait que j'étais en sécurité quand j'étais avec Félix. Elle était comme, oh, c'est Félix! Oh. Allez, Roxane! Félix, il avait un set de weed dans son menton, tu sais. Il avait 12 ans. Et non, mais il était très grand, je comprends pas. Mais il avait redoublé, je pense. En tout cas, ok. Puis finalement, il avait pas 12 ans, il avait 20 ans. Félix, le gars de 20 ans qui a du weed. Avec Roxy, 12 ans. Oui. Dans ce temps-là, j'avais toujours des chandelles, bonhomme sourire. Ah! Ah oui, il fait vraiment cute. Ouais, ouais, ouais. Puis, j'avais une couette basse avec un toupette, gars, je faisais petit. Ben, voyons, on crée mon. Puis, on va voir ça, nous autres. J'avais un toupette. Ouais, un toupette carré. J'avais les cheveux aux fesses. Aïe, aïe, est-ce que je t'imagine pas? T'as jamais vu les cheveux pas blonds? Non, c'est ça. Fait que je t'imagine pas les cheveux. Genre, longs. Et quand j'ai coupé ma couette, c'est genre long de même pour me donner une petite fille qui a le cancer à prendre une perruque. Ah, ouais. T'as jamais revu les cheveux longs depuis ça? Non. Non, pas trop tôt. Rock, les cheveux longs. Qu'est-ce que je disais? Mon père est Félix le Grand. Oui, Félix avec son pote. Que ta mère se sentait en sécurité. Oui, c'est ça. Là, j'étais pas à Saint-Philippe, j'étais à Candiac. Moi, j'ai déménagé beaucoup. Okay. Puis, il y avait une pente pour aller au parc, une pente de gazon, puis on allait se cacher là, tu sais. Puis je me rappelle, on était une gang, on était peut-être 10 là. Ouais. En rond, c'était comme Félix, le maître du parc, là, tu sais. Là, tout le monde se passait à joindre. Puis là, quand c'est arrivé à moi, j'ai fait, tu sais, je peux pas fumer, tu sais. Ben non, tu sais. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, je fume.
Avoue que c'est la t'apprends comme pas, c'est fou. Genre. Ouais, t'es comme. Ah, ça goûte le cul, t'es comme. Ah, ouais, ah, là, tu le passes, pis là, tu dis, je suis pas gelée. Pis là, le temps que ça revienne à toi, t'es comme. Je suis tellement gelée, finalement, tellement défoncée. Là, ça passe dans ma vie, tu veux plus, là. Tu ah non, mais non. Là, j'ai les yeux de même, les babines qui collent. Le site, là, Félix, c'est comme embrasse Thomas. Puis je suis comme pourquoi? Mais non, pourquoi t'embrasserais Thomas? C'est qui Thomas dans l'histoire, Chris? T'as comme un des petits cons qui étaient dans le rond, mais comme Félix niaisait. Puis t'es comme, parce que dans ce temps-là, personne ne savait que j'étais au fan, puis j'étais vraiment subtil, tu sais. Ah ouais? Dans le temps que t'avais un petit peu de ben ouais, j'étais bien petit gars, mais j'avais une couette. T'avais un chum, femme. Non, pas de chum, pas encore, là. Mais il était comme, ah ouais, embrasse Thomas. Moi, j'étais comme, ah non. J'ai même pas de table, tu sais. Fait quoi? Puis là, j'étais arrivée chez nous, je me suis fait pogner dessus. Ah ouais? Oui, maman, elle avait déjà fumé quand elle était jeune. Eh, hey, mais moi, j'ai fumé mon premier joint, j'avais 17 ans. Tabarnak, c'est tard. Moi, j'étais une sous-lune, mais par exemple, fumer un joint, là. Ouh! Puis. T'as-tu gelé? Oui. Puis l'affaire, c'est que moi, dans le temps, j'avais une amie qui était plus vieille que moi. Je me tenais tout le temps avec elle, puis elle avait son char. On chillait tout le temps dans son char. Elle venait me chercher, on allait se parquer à quelque part, puis on chillait. On faisait rien. On faisait juste parler. Là, comme t'es là, moi, j'étais tout le temps ça. Du char, on y pense. Du parc. Ouais. Tu sais, je texte mes amis quand on a le temps de se voir parce qu'on a des horaires de malade, puis je suis comme on s'organise sur un souper, on fait quoi, un brunch. Imagine, comme, tu vas juste aller chercher un char, puis on reste dans le char. Fait que là, on est dans le char, notre spot, puis elle est comme, hey, ça pense-tu qu'on essaie de fumer du weed? C'est juste les deux, genre. On avait tout fait, hein, c'était comme notre mission de soirée pour trouver du weed, puis on avait fumé du weed juste les deux. Finalement, on était éclatés raides, on a passé notre soirée au McDo, genre, à j'ai eu du fun en Christ. Moi aussi, j'ai eu Mais ben, c'est fun. Ça l'affaire, c'est que j'ai commencé à fumer, ben mon premier joint, j'avais 17 ans, mais après ça, j'ai juste pas arrêté. Que genre, oh my god, t'es donc un nice! Ouais, c'est ça, moi aussi. J'ai décroché parce que c'est le fun, mais à un moment donné, tu sais, moi j'ai de la schizophrénie dans ma famille. Moi aussi, full. Fait que là, quand on m'a appris, hey, la porte de trou, genre, je suis comme, ouais, je sais. Tu sais, tu le sais jamais quand c'est pas fait arriver, là, on s'entend. Oh mon dieu, la première fois que t'as eu tes règles. Oh my god! Moi, ça me traumatisait, first, ça, là. D'avoir tes règles, avant que tes aides. Ouais, vraiment. J'avais peur de commencer à l'école, j'avais peur que tout le monde me voit. Mais c'est vrai, c'est vraiment full stressant, on dirait que tu dis, genre. Ben, moi, je me disais, ah, prends des choses. Ouais. J'avais donc même pas envie de saigner de la noune. Ouais, non, moi non plus. Mais c'est chill parce que j'ai commencé une journée pédagogique tout seul chez nous. Ah ouais? Ouais. Puis tu t'en es rendu compte, c'est un le matin, je me réveillais. Ok, c'était fait. Ah ouais. J'ai appelé ma mère, j'étais comme tabarnak, mais j'étais jeune. Mais moi, je l'assumais tellement pas d'avoir mes règles. Ouais. Je les ai eues comme à 14 ans, mais j'ai dit à mes amis, genre, que je les avais pas jusqu'à fucking 16-17 ans. Ah ouais, ben ouais, on a le secret national. Ben oui. C'était gâché. Je n'ai pas mes règles. Ah ouais. Le moment où j'ai des serviettes sanitaires, des couches, tout, là, elle m'a amené des fleurs. Félicitations, t'es devenue une femme. C'est comme moi, de fleurs. Eh cute. Caroline, imagine, t'étais enceinte, qu'est-ce qu'elle t'aimerait? Une bonne tape salière. T'as rien de 13 ans. Mais moi, je les ai eues vraiment jeunes. Ouais. Genre, toi, tu dis que t'es eu jeune, t'es eu à 14 ans. J'ai eu à 11 ans. J'étais en 6e année. C'est épouvantable. C'est épouvantable. T'as pas eu d'enfant. Mais je comprends pas comment mon corps s'est dit, ah, 11 ans, t'as pas un crise de sein, t'as rien, t'as pas une forme, mais t'es rendu là. Ah, bah, je l'ai fait. Genre, j'aurais pu être enceinte à 11 ans. Oh my dégueu. God. C'est quand même fucked up. Ouais, c'est dégueu. Je me rappelle, j'étais chez nous toute seule, moi aussi. Je sais pas où ce que je faisais. J'écoutais un film bien peinard. Puis à un moment donné, j'étais dans la toilette, puis justement, j'avais du sang. T'sais. Puis j'ai appelé ma belle-mère du moment après, puis j'étais comme, ok, je pense que je suis tombée dans ma semaine. Puis elle est arrivée d'urgence. Puis elle m'a montré comment mettre un tampon. Oh. Était genre, elle, son combat, c'était genre, c'est pas de un, première étape, je suis dans ma semaine. On va mettre une patch, me semble. Ouais. Elle, non, c'était genre, ok, on va t'avoir à mettre un tampon. Si, ouais. Fait qu'à 11 ans, je me suis mis mon premier tampon, moi, là. Tu as encore ta belle-mère? Non. Je vous juge, madame. T'as le droit de la juger. Parce que moi, je suis une belle-mère, tu sais. Puis ma belle-fille a ça, 10-11 ans. Ah, c'est pas gay. Imagine non. Que ça tombait en ça. Je me verrais pas arriver pour faire Joanie. C'est quoi? Ouais. Pis c'est toi qui y montes. C'est fucking weird. Moi, je pense que c'est fucking bizarre. Weird. Ma mère est full, pensée quand elle avait appris. Elle était comme, t'es ben trop jeune pour te mettre un tampon. Ben non, quoi, 11 ans. Même 13 ans, ma mère était comme, ah, oh, tampon, pas sûr, t'es pas d'accord. Ouais. J'ai rien compris. Encore aujourd'hui, je vois pas rien. On a besoin d'explication. Expliquez-nous! La première fois que t'as mis un string. J'ai jamais mis de string de ma vie. T'as jamais mis de string dans ta vie? Non, moi, j'étais un petit gars manqué, j'ai toujours porté des boxers. C'est vrai? Je te jure. De toute ta vie, t'as été un petit gars manqué. Ouais. Ah, ouais? Ouais. Moi, là, mon parrain et ma marraine, j'avais 5 ans, ils m'ont acheté une belle robe, puis j'ai pété une coche, puis je l'ai déchirée. C'est vrai? À la seconde, j'ai compris c'était quoi des jeans, une robe, là, la différence, parce que dans ce temps-là, c'était très stéréotypé. Ben, là, le linge, là, c'était petit gars. T'es une petite fille, tu vas mettre ça. Bleu, jeans bleu, ouais, tellement. Une petite fille, c'est une petite robe rose. Hey, moi, je pétais la coche, là. Hey. Fait que moi, j'ai toujours, toujours été habillée. Ça t'a jamais intéressé, là. Jamais dit, genre, je pourrais m'acheter un string, tu sais quoi. Non. Ah, mais je trouve ça nice, on dirait. Prends pas si mon string. Moi, j'ai volé à ma belle-mère. Ouais, on sait non, mais malsain, ben, là.
Pourquoi je me suis pas dit, ah, calice, genre, amenais ces bobettes-là? J'en savais, c'était la mode des sortir un peu les pantalons. Cette mode-là était terrible. C'était dégueulasse. Ton jeans était bas. Ah ouais. Ta bobette était haute. Ah non, mais je comprends pas, là. Y'a rien qui allait, là. Moi, je suis tombée là-dedans bien raide, là. Je voulais que tout le monde voit que j'ai un string, là. C'est gênant. C'est gênant. Je volais les strings à ma belle-mère, puis je voulais que tout le monde voit que je volais les strings à ma belle-mère, t'sais. Fait que c'était écrit string Piddington. Tu sais, c'est pas un string sexy. Oui, c'est ça, comme un string de belle-mère. Ouais, vraiment. Ah. Ah, ton premier bec. Ton premier French. God. French. Mon premier French. Mon premier French. Hey, j'étais jeune, je sais ça, en sixième année. Okay. Cinquième, sixième année, puis c'était avec un gars. Ok. Il s'appelait Jonathan. Oui. Il était roux. Mais c'était beau, un petit beau roux pour vrai, les yeux bleus. Puis on était au parc dans un module, puis il m'a juste craché dans la gueule, là. Ah ouais? T'es comme... J'étais comme si je vais tomber pas le fun! Ah ouais, mais moi aussi, mon premier friend, j'étais vraiment pas le fun. Je me rappelle, j'étais comme, arc, plus jamais. Finalement, je l'ai refait, je l'ai refait. C'est bon! Mais c'était déconnant! C'était déconnant! Mais mon premier friend, je suis avec une fille, par exemple, c'était nice, mais je m'étais pratiquée sur ma main, genre. Ben non! J'étais jeune. Imagine ta mère, c'est pas avec les caméras qu'elle a mis en maison. T'es dans le salon, ben fait non, t'as rien comme si ta main. T'es! Mais moi, j'ai eu mes premières expériences avec l'été. Ben voyons donc! Sérieux! Ça, c'est le contraire. Ça va être mes premières expériences. J'ai jamais couché avec un gars. Non, jamais! Jamais. Hey! Non, je savais! Tu sais, j'embrassais Jonathan Gros juste pour me crisse la paix. Ouais, ouais, je comprends. T'aimais pas ça. Mais non, moi, mon premier kick, c'était en deuxième année. Ah, ça fait Catherine, là. Puis j'étais comme. Ouais. Deuxième année de primaire, là. Ouais. Hey! Ah, c'est nice! J'ai toujours su. T'as jamais sucé? J'ai jamais sucé. Oh mais j'arrête pas de dire à mes amis, pour vrai, avant de mourir, faudrait que j'essaie de sucer. Mais blonde, elle est pas d'accord avec ça quand même. Ma blonde est comme, non! Ben oui, ben là, juste pour l'expérience. Ben oui! Caro, ben oui! La question, ta première fois? Ben la première fois que t'as fait... Que j'ai fait l'amour, ouais, ben, c'est avec la première fille que j'ai embrassée. Hein? Ouais. Pas en deuxième année quand même. Non, ok, ouais. La première fille que j'ai embrassée, mais ouais. En secondaire 1 ou 2, là. Ok, ok. Ah ouais? C'était n'importe quoi, là. Ben ouais, non. Mais dis-toi que, à mon âge, moi, les cours d'éducation sexuelle, c'était petit petite fille, pénis en bois, scotch, ouais. Capote. Personne m'avait expliqué comment ça marche, là. Ouais. Puis le porno, c'était crissement pas accessible dans ce temps-là. C'était genre, ben, sur internet! Oui! Ouais, on était tous habillés, c'était vraiment maladroit, là. C'était comme. On avait juste détaché nos pantalons. Mais voyons donc! C'était n'importe quoi, vraiment. J'y pense puis j'ai honte. Vraiment. Ta première fois était pas si nice. Vraiment pas. Ta première fois qu'un gars, ça s'est jamais passé? Non, c'est ça. Okay. Mais j'imagine que toutes les premières fois sont pas fucked up, là. Non, moi, c'est vraiment malaise. Ça doit être terrible, là. Ouais. Et c'est fini. Mais c'est parce qu'en vrai, que le petit gars, tu sais, il se met tellement de pression, tu sais, sa première fois, là, il veut performer, là. Fait au final, c'est tout le temps de la merde parce qu'il est trop stressé puis il veut tomber. Il bande trop puis hop! Puis ça dure 2 secondes. Ouais. Mais moi, je me rappelle avec mon premier petit chum, c'est vraiment gênant, mais comme, il y avait vraiment pas un gros pénis. Puis, je pense pas qu'il m'ait vraiment déviergé. Je te jure! Je pense pas! C'est genre, j'ai trop pas eu mal. Ça a duré 2 secondes. Ah, mais c'est ça, toi, à 11 ans, après... tu passais des super suprêmes, tabarnak! Il est quasiment plus gros, on t'entend! T'étais déviergé par ta belle-mère à 11 ans! Ma deuxième fois, c'était l'extrême contraire, la crème. J'ai pris ce petit gars-là, puis j'avais rencontré un nouveau gars, puis lui, c'était le contraire. Il était avant un anaconda, toi, chose. J'ai jamais vu ça. Vraiment pas légal. Oh my god. Non, vraiment. Fait que j'ai tellement eu mal. Hey, c'est épouvantable que je ne jamais connaître ça. Hein? Ouais, c'est vous. On dirait que je me remets tout en question tout à coup. Ben là, mes expériences sont pas tant mal. Anaconda! Mais c'est vrai, toi, dans le fond, ta première expérience est totalement différente. Eh oui, oui. On s'entend qu'avec un petit gars, avec une fille, c'est complètement différent. Hein? Mais j'imagine, j'ai jamais couché avec un gars, mais ouais, c'est clairement différent. Ouais. Mais c'est pas comme dans le porno. Tellement, j'en ai parlé sur le podcast à Mike Ward, la porno lesbienne, c'est vraiment n'importe quoi. Ah oui? Ah, oh, les ciseaux. Ouais. Les ciseaux pour personne. Demain, ouais, n'importe quel lesbienne. Ouais, pour personne, vrai. Tu fais des fucking ciseaux. Ah non, c'est clair. Ta première peine d'amour, t'as-tu déjà eu le cœur brisé, toi? Oh my god, ouais. Ah oui? Ah ouais. Pas par la même fille quand oui. Même? Oui! Fond, c'est moi, je l'ai laissé. Ok. J'étais partie avec une autre parce que, tu sais, tu veux explorer. Bah oui, bah oui. La première blonde, tu peux voir autre chose. Ça a quand même t'a fait un goût, là, votre affaire. Ouais, ça avait quasiment duré un an, là, première relation. Ça, je suis revenue avec elle, pis là, ça gossait, pis maintenant, elle a rencontré un gars. Ok. Fait qu'elle était vraiment comme, je suis dans. Fait que moi, je pleurais. Ah! Hey, moi, oui, j'ai vraiment eu le cœur brisé. Mm-hmm. Mais une fois, mon premier. Juste une fois, my god, moi j'ai été brisée à chaque style de relation. Ben non, c'est vrai! Je te le dis, moi. Ah ouais? Ben, faisait tout le temps comme ça, là. Mais c'est parce que moi j'ai toujours aimé les hétéros.
OK, les hétéros. Je sais pas pourquoi, j'allais dans le quartier. Mais ça faisait tout le temps qu'il dompait parce que genre il allait voir un gars, il trompait, whatever. Tu sais, ma blonde, elle a toujours été avec des hommes. Mais j'avoue que c'est plate parce que tu sais, au fond, je veux dire, tu peux pas leur offrir ça. Non, tu veux, c'est tu ça. Peux bien les aimer de tout ton cœur. Ça dépend. La meilleure personne. J'ai eu des filles bi aussi qui m'ont pas nécessairement laissé pour un gars, là, j'exagère, là. Mais j'ai toujours été détruite, man. Je m'attache tellement, puis je me donne tellement. Ouais, je comprends. Mais c'est parce que moi, je pense que je me suis tellement donnée. Tu sais, quand t'es jeune, on dirait que comme ton premier petit chum, c'est genre le blonde, c'est genre le chum de ta vie. Là. Moi, j'étais genre, c'est l'homme de ma vie, oh my god. Mais tu sais, dans le fond, quand j'y pense. Ah oui, tellement. Mais quand j'y repense, moi, puis ce gars-là, on a rien en commun, là. Sweet fuck up, puis genre, limite, j'étais gênée quand j'étais avec parce que genre, j'en vais pas être moi-même, parce que je vais donc être parfaite. Mais tu sais, c'est une relation inutile quand on y pense. Mais genre, il m'a laissé, puis ça m'avait full fait de peine. Tu sais, c'est le premier gars avec qui j'ai couché. J'ai pas vraiment senti grand-chose, finalement. Ah, oh, c'est le petit pénis. Oui, c'est le petit pénis. C'est con quand j'y pense. Genre, il m'avait vraiment brisé le cœur, puis j'étais comme, oh my god, j'aimerais plus jamais personne. Il t'avait brisé le cœur, mais il t'a pas brisé l'humain. Exact. Exact. Je suis plus capable. Mais tu sais, j'ai eu de la peine par la suite, mais on dirait que ça a jamais été ce feeling-là. Tu sais, quand tu te fais laisser, genre, je me suis jamais fait laisser. T'as eu bien des chums, toi, dans la vie? J'ai eu 4 chums. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je suis une lesbienne. Fait que, aussitôt, moi, j'ai eu des blondes, là. Ah ouais? J'ai eu des blondes. Ah ouais? T'as eu combien, mettons? Quasiment une dizaine, Chris. Ah ouais, je les alignais, moi. J'étais... Parce que moi, j'étais pas capable de ça. Ouais, je comprends. Fait que c'était comme. Mais tu sais, moi, je t'ai dit 4, mais tu sais, mettons, là, ça fait 4 ans et demi que j'étais en couple. Avant lui, j'étais en couple 3 ans et demi. Fait que tu sais, on dirait que ça s'est juste autant enchaîné, mais sur des longues périodes de temps, t'sais. J'ai tout le temps été en couple, moi. Ta première job? Hey, moi, là, j'ai lavé des autobus. Ah, ouais? Saint-Philippe, pas de transport en commun, c'est-tu, mais je m'en allais laver des autobus qui se rendaient pas jusque chez nous. Ouais. En bicycle à 6h le matin. C'était une vraie job, là, genre, j'étais payé le salaire minimum, Ah, c'est bien drôle, mais ça a duré une semaine. Oh my Christ. Après ça, j'étais allée chez Pizza, travailler dans un resto, ben, j'ai pas fini l'école. Ben. T'as-tu fini l'école? Non. Hey! J'ai un second à 3, moi. Eh ben non! Ah, moi, si je faisais pas ce que je fais dans la vie, là. Tu laverais les autobus. Je laverais les autobus. Encore. Je mangerais du Kraft Dinner. Fait que, tu sais, c'est dur, mettons, mon beau-fils, il a 14 ans, puis je suis tout le temps comme l'école, c'est important l'école. Lui, il me voit vraiment comme. Ça va bien. Bien dans la vie. J'étais établi, puis il est comme, ouais, mais je suis comme. Ouais. Mais ça marche pas tout le temps de même. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux réussir sans nécessairement à l'école, mais on s'entend que. Surtout, je suis désolée, là, ça va avoir l'air poche que je vais dire, mais même pour une fille, c'est plus difficile. Tu trouves? Ouais, en moins. Ben oui, parce qu'un gars, là, ça peut se ramasser dans la construction. Ouais, je comprends. Il y a toujours un esti de chemin. Il y a plus de jobs payants, je trouve, faciles pour les gars, mettons. Ben oui, pas nécessairement à l'école. Problème dans notre société, que les filles, c'est donc tout le temps plus compliqué, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais je suis partie de chez mes parents à 17 ans, moi. Moi, tout, je suis partie. Moi, je suis partie vraiment tôt. Je suis partie à comme 15-16 ans. Ouais. Ben voyons! Non, mais j'étais un ado, j'étais pas facile, nécessairement. Puis mes parents étaient séparés. Puis là, c'était comme. T'es-tu partie en même temps qu'ils étaient lâchés l'école, hein? Ouais. OK. Ça a comme tout dégringolé. Moi, j'ai été sans domicile fixe en route, là. Ah, ouais? Moi, je dormais chez une, chez l'autre, chez mon ami. Je squattais un peu partout. Ouais. Dans le chalet d'une de mes chums. Ah, ouais? Ben, moi, ma première job, j'ai travaillé dans un marché aux puces. C'était plate en tabarnak. Quel marché aux puces? C'était un marché aux puces qui a fait faillite, genre 2 mois plus tard, à Québec. Puis, genre, j'ai haï ça. Tu sais, c'était comme tout des kiosques, là, dans un marché aux puces. Puis, le gars qui était à côté de moi, il trippait full sur moi, puis il arrêtait pas de me donner des petits cadeaux cheap. Puis, j'étais comme, crisse-moi paix, man! Dans le fond, toutes les jobs que j'ai passées après, ça a fermé. Ah. Sérieux? Poche. Ouais, ça fait fuir toutes les clients. Bon, mais j'ai fini, Rox. T'as fini? Ben oui. Comment tu closes ça, toi? Je sais pas. Fais-moi une belle conclusion. Vas-y, on te fait confiance. Bye. Hey, c'est bon! Ben là, tu s'en vas? Bon, on va me prendre un verre d'eau. Bon, ben Rox, quand on fait la conclusion, Rox, tu s'en vas. Fait que. Au revoir! Ok, bye! Hey, bye tout le monde! Bye! À bientôt! Au revoir! Qui t'a vraiment attendu? Hazum, 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 hazum